Juliette. Reviens. Non. Vous n'êtes pas tombé de chasse. Madame, vous avez perdu quelque chose. Merci. Ah, quel voyage de noces. Moi aussi, je suis un peu en voyage de noces. Et vous préférez déjà rester seule? Non, c'est seulement demain que je le verrai pour la première fois. Comment ça? Il vit tout seul quelque part dans la jungle. Mrs. Brown, your husband wishes to inform you that dinner is served. I'm extremely sorry if you've been disturbed by this person. On étouffe presque ici. Vous croyez qu'il va faire du vélo dans la jungle? C'est le cadeau de mariage que reçoivent tous les missionnaires. Il est missionnaire? Et s'il vous plaît pas? C'est la volonté du Seigneur. Dieu merci, le sort m'a envoyé en Inde et pas en Afrique. Vous voulez dire qu'on vous a tiré au sort? C'est mon fiancé. Le doyen a mis toutes les photos des missionnaires dans les Saintes Écritures. Les pages se sont ouvertes devant moi. Et c'est vers cet homme que le Seigneur m'a envoyé. Mais vous êtes sûr de pouvoir l'aimer? Je peux vous poser une question? Enfin, je veux dire... C'est si terrible ce que les hommes font avec nous. Vous voulez dire... Après le mariage, vous venez bien de vous marier, non? C'est plus beau dans les romans. Faut que je parte. Pour la gifle, je veux bien m'excuser, mais pour le reste, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Moi, je m'excuse pas et je répète. C'est l'usine de mon père que t'as épousé, c'est pas moi. Je veux rentrer à la maison, là, tout de suite. Mais tu te crois seule au monde, Juliette? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux rentrer. Pour toi, tout n'est qu'un jeu. Mais quand est-ce que tu vas finir par grandir, Juliette? Grandir comme toi? Mais tu sais même pas pourquoi tu vis. Connaissons-moi. Mademoiselle. J'ai rêvé de lui toute la nuit.
C'était un cauchemar. Je pourrais jamais l'embrasser. Vous avez vu ses yeux? Il a pas l'air si terrible. Comment je peux embrasser quelqu'un qui connaît même pas mon nom? Et puis regardez. J'aurais pas dû me laisser convaincre par le pasteur. Qu'est-ce que j'y peux, moi, malheur du monde? Oui, mais vous allez vivre une belle aventure. C'est facile à dire pour vous. Je peux quand même pas y aller à votre place. Tenez. Et moi? Avec ça, vous pouvez faire deux fois le tour du monde. Allez, venez. Sont en pleine mer, d'accord? Nous ne sommes pas en train de commettre un péché. Il ne connaît même pas votre nom, alors qu'est-ce que ça change? Vous êtes le missionnaire Valser? Je n'ai presque pas dormi depuis que j'ai reçu le télégramme. Et vous devez être mon Esther? Oh, Esther! Je suis content que vous soyez là. Esther! Malu, Malu! Aspan Stalantaru! Joseph! Allons, vite!
la main. Trop habillé. Nani. Vous avez beaucoup changé. En mieux ou en pire? Je sais pas encore, mais je vais bien être obligé de découvrir. Vous verrez plus comme ça. À l'école, mais les parents sont tellement pauvres que même les enfants doivent travailler. Les Indiens prient les arbres. Pourquoi, il y a quelqu'un? Une femme. Les Indiens croient que Dieu est présent dans tout ce qui vit, dans les arbres, dans un serpent et même en eux. C'est merveilleux. Et d'où viendrait le mal? Les Indiens pensent que tous les Européens sont blonds. Mais j'aime bien vos cheveux. Allez, va. 1, 2, 3.
Olga. On peut se tutoyer dans ce bout du monde, n'est-ce pas? Esther. Lui, c'est Goliath. C'est notre chien de garde. Voici Clara, notre fille. Dis bonjour, Clara. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu. Pourquoi? C'est un vrai paradis. Venez. Ça fait 3 semaines qu'il ne parle que de toi. Depuis que le télégramme est arrivé de Suisse. Elles se réjouissent déjà du cours de couture. Regarde un peu, Robert, ce que le sort a réservé à notre cher Gustave. Pas vous, Tolichin. Lui, c'est Robert, mon mari, notre frère artisan. Le quoi? Il dirige l'atelier de tissage de la mission. Bienvenue au purgatoire. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est un Indien qui me touche. Mais ça ne part pas. C'est toute l'astuce de mon invention. Judicieux, hein? Frère Obligueur réinvente la saleté. Kaki, c'est comme ça que moi je l'ai baptisé. Ça veut dire brun en indien. Tenez, regardez-moi ce pantalon. Je le porte depuis une semaine. On dirait pas, hein? Et finalement, si la guerre éclate, je vous garantis qu'on va vendre du kaki à toute l'armée anglaise. Robert, tu penses qu'Esther peut faire voir la chambre? Joseph! Bouche le trou, Joseph, vite! Tu m'entends? Bambe! À quoi la manaki, Joseph? Pelle ta main! Moi aussi, à l'époque, je serais bien partie par le premier bateau. Je t'avais prévenu. Oh, oh, oh! Les vidéos non canalilla. On va le bousser tout de suite. Il a neigé. Comment? Chez nous. Est-ce qu'il y a beaucoup de neige? Vous direz pas aux autres que je me suis évanouie? Pour moi non plus, ça ne serait pas très flatteur. Prétends être chrétien, mais tu fais semblant. Tu crois toujours au serpent. Comme punition, tu resteras devant la chapelle le jour du mariage. Il y a une sorte de salle de bain à cette porte.
des gens simples comme vous ont la lumière électrique dans toute la maison. Ça fait vraiment du bien d'entendre des nouvelles de son pays. On est tellement loin de tout ici. Et comment va le frère Yersin? Mieux. Pourquoi il a été malade? L'hiver a été dur. Même ma pauvre mère a du mal à se débarrasser de sa toux. Dites, ça fait pas trop mal de se faire un trou dans les oreilles? Clara. Comment une lingère fait-elle pour avoir de si jolies boucles d'oreilles? À propos, Esther, il serait plus convenable que vous ne portiez pas de bijoux chez nous. Depuis des années, j'essaie de débarrasser les païens de cette mauvaise habitude. Elles m'ont été offertes sur le bateau par une dame, pour mon mariage. Elle était presque jalouse, elle aurait aimé être à ma place. Tu vois? Les riches en Europe pensent que nous sommes ici pour le plaisir. On s'imaginait même qu'un missionnaire vivait tout seul dans la jungle. Tu peux débarrasser. Je te présente Anna, c'est notre gouvernante. Mais Félix m'a baptisée Ozane. Félix? Qui est Félix? C'est mon petit garçon. Comment? Félix et ma première femme sont morts de la malaria. Félix pourrait rien me dire. Qui? Tout ce qu'on entend là dehors, ce sont des moustiques. Une seule piqûre suffit quelquefois. Vous devez faire attention à bien fermer la moustiquaire de votre lit. Et ne jamais boire de l'eau surtout. Mais le plus efficace, c'est encore la prière. Sœur Esther, veux-tu donner la bénédiction? Père, que notre Christ vienne, notre Père, veillez sur mon lit et sur celui de mon voisin malade. Amen. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Je sens encore le bateau qui tangue sous mes pieds. Clara, tu n'as pas étudié ta flûte aujourd'hui. Allez, hop. Hop, hop. Mais qu'est-ce qu'ils s'imaginent au comité? Essaie tout de même d'être un peu plus gentil avec elle, hein? Qui souhaitait tellement qu'elle nous apporte du jambon ou des saucisses fumées, ce que tu avais fait. Tu te souviens? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne...
Ragnarienne que d'avant d'être fait. Notre père qui est aussi haut que toi. Ce n'est que moi. Gustave. Malheureusement, nous n'avons qu'une robe de mariée, nous la retouchons à chaque fois. La pauvre Gertrude était un peu plus forte que vous. Dimanche, vous serez magnifique dans cette robe. Dimanche déjà? Les païens ne comprendraient pas que nous habitions sous le même toit sans être mariés. Je suis pas sûre de pouvoir vous aimer aussi vite. Faites-le par amour pour les païens. Nous sommes ici pour remplir une mission. Nous nous connaissons à peine. Adam et Ève non plus n'ont pas eu le choix. Et ça s'est quand même terminé par une histoire d'amour. Clara, qu'est-ce que je t'ai dit? Je peux pas. Je suis pas Esther. Yonake, Yehova Yude, Arulapa de Undaya Dendenal. Même si vous avez du mal à le supporter, je vous signale que le prochain bateau
ne vous libérera que dans 6 semaines. Je peux pas me marier. Il y a des choses qu'on apprécie avec le temps. Venez, allez. Il est inutile que tout le monde vous voie avec vos valises. Faites la femme riche sur le bateau. Elle vous a laissé une adresse. Que voulez-vous dire? On pourra lui envoyer une lettre bien tournée dans laquelle je parlerai de mon invention. Il y a peu de chances que son mari soit d'accord. Il y a beaucoup à gagner, même pour lui. C'est vrai. Et en attendant, prenez tranquillement votre petit déjeuner. Et nous te remercions, Seigneur, de nous avoir amené sœur Esther, saine et sauve, par-delà les mers, pour m'aider à vous apporter la vérité. Amen. Pogu! Toyidjayu! Ça veut dire que la prière était à moi le cas. Gustave, c'est son premier jour. Passé. Un conseil, si j'étais à ta place, je garderais un œil sur ma jolie fiancée. Elle a déjà voulu faire ses bagages. Ils ont dû nous cacher quelque chose dans ce télégramme. T'énerve pas, là, elle prend son petit déjeuner. Je ferais mieux d'emmener cette princesse prêcher avec moi. C'est trop dangereux pour une femme. Hop! Et quand est-ce qu'elle va trouver le temps de retoucher sa robe de mariée? J'aimerais bien savoir ce qu'ils mettent dedans. Malheur. Vous croyez aussi aux esprits? Non, je crois aux Indiens. Thank you.
C'est le type de l'autre jour, vous avez donné des pièces de monnaie à son fils, maintenant il en veut encore. Allez, casse-moi, mais qu'est-ce que pourquoi il est en colère? Il prétend qu'on lui a volé la pièce. Plus vous lui en donnerez, plus il en voudra. C'est pour casser, vous les ferez payer 100 fois. Avec des offrandes qu'en vérité les prêtres gaspillent. Votre éléphant sacré est peut-être grand et fort, mais c'est un insecte mortel à côté de mon Dieu. Anoumati ! Anoumati ! Anoumati ! Alors Dieu a envoyé son propre fils pour vaincre le diable. Jésus est son nom. Et la lumière qui chassera les ténèbres et le diable hors de vos cœurs. Votre éléphant est un insecte mortel à côté de mon Dieu. Restez en enfer. Ma faute. Pourquoi? Ça m'arrive souvent. Non, mais le petit garçon avec ses cruches. Il serait pas esclave dans une briqueterie si j'étais pas venue en Inde. Et les autres? Les autres enfants? Qui serait responsable de leur misère? Apu n'est pas le seul. Oui, mais lui, on aurait pu facilement l'aider. Facilement. Depuis 12 ans, j'erre dans cette chaleur et... j'en ai sauvé que 10. Et encore, la plupart ne sont venus que parce qu'ils avaient faim, pas pour Dieu. Ma femme et mon fils en sont morts. Et malgré ça, je t'ai quand même fait venir. C'est pas la foi qui m'a mis ici. C'est parce que je me suis trompée. Tu crois que le destin peut se tromper? Alors tu ne serais que la volonté de Dieu, même le mal. Pourquoi ce serait mal que tu sois ici? Je n'ai jamais embrassé d'homme barbu. Et d'autres? Que pour l'oublier. Alors sa femme va pouvoir le rejoindre et lui apporter l'amour et une vie plus douce. Joli, non? Ça n'est pas de toi, Robert. Oh. Tu l'as copié quelque part, à vous. C'est ainsi, cher bien fait, que vous devez laisser la main. Allez, recommence. Mais cette fois, mets-y du cœur. Nous voulons d'abord te remercier, sœur Esther, du long chemin parcouru pour venir jusqu'à nous. Vous en avez mis du temps. Va devoir retoucher sa robe de mariée toute la nuit. Non. Le fiancé n'a pas le droit de voir la mariée dans sa robe avant la cérémonie. Hosanna, va aider ma fiancée. Allez. Bien, Esther. Enlève ça.
où il a bien pu passer ce voile. C'est vrai qu'il n'y a pas de bateau. Mais je sais où on prend le train. Qui dit que je veux partir? Tu sais où se trouve la briqueterie? Pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille demain. Mais c'est le mariage. Je voudrais libérer un enfant. Je veux faire une surprise à Gustave. Tu crois qu'on pourra être de retour avant 11h? Tiens, Esther. Je suis certaine que tu vas réussir à nous faire un voile avec ça. Toi, tu vas vite au lit. Allez, hop, dépêche-toi. Allez. On profitera de leur sommeil et à l'aube, on partira. Je le savais. Quoi? Envolé. Hein? Ta fiancée a disparu. J'avais bien raison de me méfier avec ses airs de mijaurée. Elle est encore jeune, c'est tout. Et en plus, tu la défends. Quoi? Tu parles en français avec moi. Je l'ai vue avec Osiana. Elles sont parties à bicyclette. Tu ne penses quand même pas qu'Osiana, dans sa jalousie, est serrée. Mon Dieu, les premiers invités sont déjà là. C'est la femme du colonel. Il ne manquait plus qu'elle. C'est toi qui l'as invité? Ben oui, si je veux continuer les affaires avec les Anglais. Ils passent leur temps à rire de nous dans ce club. T'imagines ce qu'elle va aller leur raconter? Donne-moi mes chaussures. Donne! Et celle de cheval. Tu n'as même pas mis ton pantalon. Personne ne le verra, et avec cette chaleur. Attends, mets au moins ton collet. Oui. Voilà, enfin. Well. Is she pretty, the bride? Elle est en train de se faire encore plus belle. Ah. Cheers. Hey! Regardez les rangs de permis que le pauvre nous docando. On n'est pas déjà passé par là? Mais non, c'est parce que tout se ressemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop lourde pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Remonte, on sera jamais de retour à 11h. Arrêtez! 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 Arrêtez!
Combien il coûte? Madame, il coûte une main. Mais c'est lui, Apu. Et celui-là, combien il coûte? Qu'est-ce qu'il dit? La traduite est là pour ça, non? Mais c'est beaucoup trop. Rosanna! Il va ramper à nos pieds, tu vas voir. Robert est déjà presque sous. Mais personne ne t'a rien dit. Je ne peux quand même pas demander aux invités où est la mariée. Je comprends plus rien. C'est une épreuve de Dieu, Gustave. Il ferait mieux de nous aider à la chercher, tous. Qu'est-ce qui te prend? L'amour te fait perdre la raison. Attention. Tu failles croire que... C'est un chapeau en plus. Je t'ai apporté une surprise. Quoi? Ouh! C'est Apu. C'est mon cadeau de mariage. Quoi? Bah, je l'ai racheté, il est libre, il est à nous maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit? Et en plus, c'était même pas cher, juste pour une boucle d'oreille. Acheté? Mais contre cette boucle d'oreille, tu aurais pu avoir 20 solides gaillards. Nous ne sommes pas des marchands d'esclaves. Perhaps it isn't such a bad idea. De quoi vous mêlez-vous? Acheter au lieu de convertir, mais où as-tu appris ces méthodes? Il va rester ici! Gustave, pas devant tout le monde. La première chose que nous ferons après le mariage, c'est de ramener ce garçon chez lui. Jamais. Bien. Bien, Apu. T'as froid? D'ivoire. Juliette. Apu, Juliette. Apu, Juliette. Qu'est-ce qu'elle a encore?
comptes faire avec les moustiques? Je crois que je dors dans ton lit ce soir, non? Sera sauvé. Mais celui qui n'a pas la foi, celui-là sera damné. Amen. Au nom du Seigneur, nous te remercions, chère sœur Esther, d'avoir décidé de mettre ta vie au service d'une grande œuvre. C'est à la sueur de son front que notre frère missionnaire a fièrement dressé sa tente dans des contrées sauvages. Maintenant, son épouse peut enfin le rejoindre pour lui rendre la vie plus douce. Allez. Je vous demande, Gustav Walser et Esther... Esther Tanner. Esther Tanner. Acceptez-vous par la main du Seigneur? Acceptez-vous par la main du Seigneur de vous prendre comme mari et femme et de vous promettre de vous aimer et de vous jurer fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dites oui. 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 Les alliances sont restées dans mon pantalon. Avec cette chaleur. Laissez l'amour pénétrer vos cœurs. Promettez-vous mutuellement de vous soutenir l'un et l'autre pour le meilleur et pour le pire. Amen. Vous pouvez vous embrasser. Rosanna, emmène ce pauvre enfant dans la cuisine. Robert, ne bois pas autant. Et pour les alliances, il n'y a eu que du feu, je les ai bien eues. C'est bizarre qu'on n'ait pas eu cette idée, nous aussi. Il faut qu'on en achète d'autres, des bailleurs. Et avec quel argent? Je vais leur faire agrandir l'atelier. On va gagner 10 fois plus. Et avec le temps, ils finiront bien par devenir chrétiens. Mais tu es sous. As-tu la moindre idée du nombre de kilomètres que tu as fait toutes ces années sous la chaleur? Et pour récupérer combien d'âmes? Robert. C'est pas rien de se renseigner par le ciel que si on les appâte avec une terre meilleure. Tu crois encore que la cause de la misère, elle manque d'argent? C'est quoi alors? C'est parce qu'ils sont ignares et qu'ils ne savent pas ce que c'est que le salut. Tu crois que Dieu est si mesquin pour leur infliger cette misère? Seulement parce qu'il prie les arbres? Je ne t'écoute même pas. C'est pas étonnant que tu ne me comprennes pas. Dire qu'il a fallu qu'un petit oiseau de paradis vienne nous faire la leçon. Bon, ben, le premier va commencer par nous rembourser tout de suite.
Non. Tant pas, Eko. Comme ça, ce précieux garçon ne nous échappera pas. Cette nuit, Apu fera marcher l'éventail et vous verrez demain s'il est devenu chrétien. Gustave! Ne crois surtout pas que je vais dormir dans ton lit. Esther! Suis-moi! Elle n'a même pas remarqué que tu t'étais coupé la barbe pour elle. Je t'aime pas assez, Osama. J'ai voulu punir Dieu avec toi parce qu'il m'a enlevé ma femme et mon fils. Je souhaite que cette femme t'apporte le malheur. Je veux prier tous mes dieux pour ça. D'autres des nuits de noces. Allez, venez, vous allez vous faire dévorer par les moustiques. Esther. Demain, on va aller acheter encore d'autres gens. Mais c'est Gustave qui tient la caisse.
capable de garder un secret. Moi? Alors là, vous n'avez pas de crainte à avoir. Vous voulez toujours connaître la femme riche, celle du bateau? Vous croyez qu'on pourrait encore lui parler de la fête? Cette femme, c'est moi. Je ne suis pas fou, vous avez bien dit que vous étiez lingère. À la mission, on ne m'aurait jamais prise au sérieux, sinon. Je l'ai senti tout de suite. Gustave pourra dire ce qu'il veut. Chut. Mais ça y est, nous allons faire des agrandissements. D'abord l'atelier, et avec les bénéfices, on bâtira une ville chrétienne. Ouais. C'est promis. Je ne dirai rien du tout. L'éventail est cassé, Robert. Petite garce. Bonne nuit, sœur Olga. Allez, viens. Rachel, ninga ne tane problème avec eux. Moi aussi, au début, j'avais peur de lui, mais tu vas voir, il est pas si méchant. Et il doit dessiner son cœur au tableau. Mon ben yenai de nous, il donne voilà comment. Comment son cœur était avant d'être chrétien. Varsangel que mumbe deva putram parano. Avidane yilla dustagalayan vodayatil nagati. L'enfant Jésus a lavé notre cœur et l'a rendu pur. Maintenant, il est dedans le cœur. Vodayam agatanam. Lara, tu fais attention à lui, hein. La dame riche sur le bateau. Vous avez bien dit qu'elle était en voyage de noces. Mais je l'ai fait. Et Gustave ne sait vraiment rien de vos origines? Dieu du ciel, non. Mais lui, au moins, il risque sa vie pour sa mission. Vaut une fortune. C'est mon père qui me l'a offert pour mon mariage. Hein? Il est dans quoi, votre père? Il a une filature. Eh ben alors, on pourrait peut-être lui demander quelques vieilles machines. C'est son gendre qui a tout pris. Hein? Michel Candici! Mmh.
25? Mais il est... Alors, à moi de jouer. No coup. Bon. Dites-lui pas moins de 150. 150? 150, dites-lui. Se t'emballer. Nous, t'emballons. Il est votre tour, tour. Chez coup. Bon, allez, ça suffit, on s'en va. Il est votre tour, Marina. Vous entendez? Indukanana! Pogu! Demandez-leur plutôt de venir travailler dans notre usine. Mais ils ne sont pas assez robustes. Mais pauvres. Qui en dit Félix en dit à des valets pandemis. Alla langa ne alla. Plus que toi en 12 ans. Cette fois, t'es allé trop loin. Oh! Allez! Bravo! Juliette. Je vois que t'as fini par adopter Apu. Je vais envoyer un télégramme au comité. Tu repars par le prochain bateau. Gustave! Mais qu'est-ce que Dieu peut faire si les hommes ne l'aident pas? Pour toi, tout n'est qu'un jeu. Le Seigneur, les Indiens, l'amour. Libérez-moi. Promesse, mariage. Stop. Prends-moi ça. Dehors. Tu veux te débarrasser de moi pour Rosanna? On voit bien à quel point tu es aveugle. Pas plus que toi. Mais tu vois pas? Tout ce que je fais, c'est t'aider, moi. Ça va pourquoi tu te lèves le matin? Non, toi, tu peux pas rester là. Viens. Rachou, Maru. Il y en a déjà deux qui se sont échappés. C'était fonté et encore vierge, je lave les draps moi-même. C'est ton tour, Clara. Bonnes actions, tout ce que nous recevons, nous te le devons. Seigneur, nous t'en remercions.
toujours pas connu de baiser barbu. T'avais quand même remarqué. Et moi qui voulais que quelqu'un vienne me tirer de mes doutes. Dommage. Quoi ? Que tu veuilles me renvoyer maintenant. Tu l'as beaucoup aimé, l'autre ? Si tu savais tout, tu me renverrais vraiment. C'est vous, missionnaire Walter? Malheureusement non, pourquoi? Il habite bien par ici, je lui ramène sa fiancée. Encore une? Quoi? Mais on n'est pas chez les païens ici. Bon, allons-y, hop! Allez! Allez! Mais tu te rends compte? Qu'il a neigé. J'ai plus besoin de rêver maintenant. Esther. Juliette. Juliette. Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Pas de Juliette ici. Qui êtes-vous? Voici votre vraie fiancée. Et je veux ma femme. C'est moi, Esther. J'ai pris sa place sur le bateau. Tu veux dire que tout n'est qu'un mensonge? J'ai eu peur de la tâche que le Seigneur m'avait confiée. Juliette a juste voulu m'aider. Gustave! Aïe. Tiens, va t'acheter d'autres Indiens! Tu vois? Ils m'ont même enfermé à cause du bracelet. Il fallait que je dise la vérité. Viens avec moi, sœur Esther. Quand je vois ce qu'elle a réussi à te faire faire. Tu veux pas t'habiller un peu? Je vais emmener cet enfant avec nous. Juliette, sois pas ridicule. Dépêche-toi.
tape entre tous mes dieux. Et pourquoi tu t'es laissé baptiser? C'est en toi que je croyais, pas en ton dieu. Nous la construirons, votre usine, mais en bas, à la place de cet arbre. I wouldn't say no. I wish I knew where I could change mine. On va continuer la soirée comme si rien ne s'était passé. À tout de suite. Pour montrer à tout le monde que c'est juste un arbre. Et nous rentrons chez nous. Un bateau va arriver vers midi. La cabine est déjà réservée. Évidemment, ça me plaît que ton père m'ait confié la responsabilité de l'usine. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai pour toi. L'amour? Tu as tout oublié? Les sorties à cheval? Les roses? Les pralinés? À l'internat, tu m'écrivais que tu ne pouvais plus vivre sans moi. Une fois prise dans les mailles du filet, je n'étais plus qu'un bel objet. Juliette. Pardonne tout. Nous allons simplement rentrer le voyage de noces. Personne ne saura rien. Pas même ton père. Même si l'enfant doit être blond. What is going on here? He says the Hindus are attacking the mission.
Qu'est-ce qu'il y a? Lissandro attaque la mission. Parlez au colonel. Il nous prend de l'aile. Mais laisse-les. S'il te plaît, Philippe, va parler au colonel. Toi, au moins, il va t'écouter. Il s'est mis dans de beaux draps, hein, qui se débrouille tout seul. Attends, ils sont en train de mettre le feu. Il faut que quelqu'un aille les aider. Les Anglais se mêlent jamais de religion. Je t'en prie, Philippe. Mais je vais pas me ridiculiser devant tout le monde. Bien, si t'es si là, je vais y aller toute seule. Allez. Arrête. Oh. Dans un roman. Je te promets, tout ce que tu fais à mon Dieu, je veux le faire au tien. Ne les laisse pas me mettre dans ton cimetière. Je veux retrouver les miens.
Je vois que tout est rentré dans l'ordre. J'ai entendu dire qu'il y a eu des coups de feu. Quelqu'un a tiré ? Moi. Ça devait être en cas de légitime défense. Juliette, c'est la dernière fois que je viens te chercher. Je veux emmener Apu avec moi. Je veux qu'il aille à l'école chez nous. Je t'attendrai pas longtemps. Apu ! Va voir là-bas. Pardonne-moi, Juliette. Si j'avais pas perdu mon peigne sur ce bateau. Non. J'aurais pas dû quitter mon destin. C'était peut-être le mien. J'ai retrouvé Apu dans la salle de bain. Apu, je t'ai déjà dit que ça servait à rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, Clara? C'est son cœur qu'il essaie de laver. Quoi? À cause du diable et des serpents, parce que son cœur est tout noir. Voilà ce que vous faites de nous. Pourquoi apprendre à voler au poisson? Comment? Père a raison. Le poisson ou le poisson? Marie va peut-être nous aider pour la manufacture. Robert! Gustave s'en va. Il abandonne tout. Même la mission. Laisse-le s'en aller. On va enfin prendre les choses en main. Où tu vas? Aux Indes. Aux Indes? Je suis ici depuis 12 ans et je sais toujours rien. Ramène-le chez lui. C'est encore là-bas qu'il sera mieux. Juliette. Juliette. Esther me manque. Je te promets que tout sera comme avant. C'est trop tard, Philippe.